Découvrez comment le curcuma aide à la récupération des patients ES atteints ES d'Alzheimer. Le curcuma est une des épices les plus connues dans le catalogue des ingrédients naturels pour protéger le corps et améliorer la santé. Il provient d'Inde et ses applications gastronomiques et médicales se sont étendues dans de nombreux endroits du monde tout au long de l'histoire. Ses principales propriétés sont attribuées à un bioactif connu sous le nom de curcumine qui, en plus d'être le responsable de sa couleur caractéristique, participe dans plus de 150 activités thérapeutiques. Ceci est dû à son action anti-inflammatoire et antioxydante qui intervient sur des fonctions vitales du corps, en diminuant les risques de cancer et d'autres pathologies chroniques. En effet, des études assurent qu'il détient le pouvoir de traverser la barrière hémato-encéphalique, ce qui est prometteur pour la prévention et le traitement des troubles neurologiques. Une des plus reconnues suggère qu'au moins 1 g de curcuma par jour, pris pendant 3 mois, peut favoriser les patients ES atteints ES de la maladie d'Alzheimer. Comment le curcuma aide-t-il les patients ES souffrant d'Alzheimer ? La maladie d'Alzheimer est cataloguée comme la forme la plus commune de démence et se caractérise par la perte de la fonction cognitive. Il existe dans le monde plus de 26 millions de patients ES atteints ES de cette maladie et on estime que pour l'année 2050 le taux quadruplera, de telle façon qu'une personne sur 85 ans souffrira. Pour le moment il n'existe pas de remède et les traitements avec des médicaments conventionnels ne sont pas du tout efficaces pour le contrôle des symptômes. De ce fait, beaucoup centrent leurs investigations sur les effets de contrôle que possèdent les ingrédients naturels comme le curcuma. Lisez aussi le curcuma, une espèce aux propriétés miraculeuses. Cette espèce naturelle a donné des résultats positifs sur les patients ES diagnostiqués ES et tout indique à ce qu'il détient le pouvoir d'améliorer leurs conditions. Dans cette étude appelée Effet du curcuma sur la maladie d'Alzheimer avec des symptômes comportementaux et psychologiques de démence qui a été publiée en fin d'année dernière, les scientifiques décrivirent 3 patients ES affectés ES par cette pathologie. Leurs symptômes de conduite se sont améliorés après avoir reçu 100 mg de curcumine par jour pendant 12 semaines. Les 3 patients ont fait preuve d'irritabilité, d'agitation, d'anxiété et d'apathie. 2 patients souffrent d'incontinence urinaire. On leur prescrivit des capsules de poudre de curcuma et ils commencèrent à se rétablir de ces symptômes sans aucune réaction adverse parmi les aspects de symptômes et laboratoires cliniques. Une fois les 3 mois d'analyse écoulés, les chercheurs CES conclurent que les symptômes des patients ES diminuèrent aussi significativement que les soins de leurs aides-soignants. Propriété du curcuma contre Alzheimer. Selon les analyses des études réalisées par rapport à cette épice et à Alzheimer, la curcumine est la responsable de provoquer les effets positifs chez les patients. Cette substance active augmente l'éclaircissement pathologique de la plaque bêta-amyloïde et, en combinaison avec la vitamine D3, son processus neuro-réparateur est encore plus grand. Le faible poids moléculaire de l'épice et sa structure polaire font que la curcumine dépasse avec facilité la barrière hémato-encéphalique. D'une part, elle se mélange avec les bêta-amyloïdes, des protéines anormales que l'on a détectées dans le cerveau des individus touchés par cette maladie. D'autre part, ses puissantes qualités anti-inflammatoires et antioxydantes réduisent les symptômes qui se produisent à cause de l'excès d'inflammation dans le cerveau et l'oxydation cellulaire. La curcumine interfère dans l'expression de plus de 700 gènes et empêche aussi bien l'activité comme la synthèse de la cyclooxygénase 2,
COX-2, et la lipoxygénase, 5-LOX, enzyme qui modère l'inflammation. Nous vous recommandons de lire Qu'est-ce que l'Alzheimer et comment affecte-t-il la nutrition dans la maladie ? Comment inclure le curcuma dans un régime ? Le curcuma peut s'ajouter en petite quantité dans de nombreux plats habituels comme les soupes, les ragoûts et les riz. Il peut également s'ajouter aux milkshakes de fruits et laits de légumes pour leur donner un plus d'antioxydants. Chez les herboristes, on peut obtenir le curcuma en extrait et supplément, lesquels peuvent varier en quantité et qualité de curcumine. Une solution rapide et simple pour profiter au maximum de ses propriétés peut s'obtenir par la préparation d'un thé. Ingrédients : 1 cuillère de curcuma en poudre, 10 g, 1 litre d'eau. Ajoutez la cuillère de curcuma en poudre dans un litre d'eau bouillante et laissez-le reposer. Quand elle est froide, servez une tasse de thé et prenez-la deux fois par jour. De façon optionnelle, on peut sucrer avec un peu de miel. La consommation habituelle de curcuma ne diminue pas les effets d'Alzheimer chez les patients ES diagnostiqués ES, mais aide aussi à éviter le risque chez les personnes saines. Et puis, même si c'est une épice bénéfique, souvenez-vous que le curcuma ne doit pas être consommé en quantité excessive et que l'on ne doit pas attendre non plus des résultats miraculeux.